Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle d'Elscrap. Parce que parfois, on a besoin aussi d'une carte pour des condoléances. Voici celle que j'ai préparée. Je ne vous montre pas l'intérieur parce qu'elle est déjà écrite, mais on va le faire ensemble. Pour cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Dandelion Wish avec toute cette semence de pissenlit et puis ces textes en anglais. Et du coup, comme c'est en anglais, j'ai utilisé les sets de tampons Gentillesse et Compassion avec tous ces textes-là. Et on va utiliser pour notre carte « Avec vous en ce moment difficile et toutes nos pensées et notre affection vous accompagnent, nos sincères condoléances ». Donc je vais la faire dans des couleurs inversées. Ce qui est noir, je vais le faire en blanc. Ce qui est blanc, je vais le faire en noir. Ma base de carte en papier cartonné noir nu, qui mesure 25 cm de long par 16,5 cm de large, plié en deux, voyez ici, à 12,5. Ensuite, un rectangle de papier murmure blanc de 16 cm par 12. Là, on en prendra deux, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Ensuite, un rectangle de papier cartonné noir nu de 15 cm par 11. Un cadre que j'ai réalisé en papier pailleté argent qui fait 11 cm environ par 7,5 cm. Et j'ai utilisé les poinçons surpiqués rectangles. J'ai utilisé ces deux-là, me semble-t-il, ensemble. Voilà, je les ai collés ensemble pour réaliser le cadre. Ce sont le 3 et le 4. Ensemble et j'ai utilisé le 4 pour faire l'intérieur. Dans du papier murmure blanc. Et puis on aura besoin d'une chute de papier noir nu, puisqu'ici mon étiquette est en blanche, on va la faire en noir. Alors, je commence par plier ma base de carte en deux. Je peux venir coller dessus un des grands rectangles de papier murmure blanc. Sur mon rectangle de papier noir nu qui va venir ici, je vais tamponner ce pissenlit là, et pour savoir où je le tamponne, je vais venir placer le rectangle suivant. Je vais utiliser mon stamparatus, ça sera plus simple. Elle va venir se coller ici donc, et avant de coller ce rectangle là qui va venir par ici, je viens tamponner ce tampon là à la versa marque. Je me décale un petit peu vers la gauche parce qu'ici je vais avoir mes petits diamants. Venir coller ma carte
Ensuite, sur l'intérieur, je vais mettre un sentiment au milieu. Je vais mettre avec vous en ce moment difficile, toujours avec ma Versamark. Donc ça va venir à l'intérieur et je vais mettre sur ma chute de papier cartonné noir nu. Nos pensées et notre affection vous accompagnent, nos sincères condoléances. Et ça, je vais le découper avec ce rectangle-là. Je reviens tout de suite. Et voilà, je prends ma carte et je vais venir coller mon sentiment jusqu'au niveau du blanc, comme ceci, avec de la mousse 3D. À l'intérieur, je viens coller ceci, mais j'ai oublié. Je voulais mettre dans l'angle ces tampons-là. Je colle tout ça à l'intérieur de ma carte. Ajouter des petites perles. Alors ici j'ai mis des cristaux du Rhin, mais là je vais mettre des perles que je vais colorier avec mon feutre alcool noir. Voilà, ma carte est terminée. Vous l'avez dans deux coloris différents, noir et blanc ou blanc et noir, au choix. Reste plus qu'à faire l'enveloppe et à les envoyer. J'espère que ce projet vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures créatives, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.